sur cette photo, t'es tellement beau. Tellement touchant avec tous tes cheveux. Quand tu reviens, Kevin? Un pepperoni sans gluten, sans lactose, sans viande, sans goût. C'est vous, c'est. Ah là. Kevin. Je veux pas de pizza sans gluten. Cette fois, c'est toi, Kevin. Bonjour. Bonjour, messieurs. Pardon de vous importuner. Je voudrais vous parler de la nouvelle terre qui arrive. Avez-vous quelque temps pour voir avec nous les écritures? Vous savez, la fin des temps est proche. Il y a 40 000 élus qui seront sauvés à la fin des temps. Oh, Kevin. Monsieur, c'est très important. Vous savez, oui, je vois, Jéhovah, Kevin, est le Dieu unique. Entendez-vous? Oui. Il faut prier. D'accord. Pour être sauvé. Merci. Ne voulez-vous pas discuter un peu? Nous prierons pour vous. Oui, c'est bien. Jéhovah est votre Seigneur. Oui. Indigne. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai jamais voulu t'écouter. Kevin, quelle joie de te voir. Mais toute non. La maison sera heureuse. Non, tout je suis un fils indigne, Mais non. Mais. T'as toujours été là pour moi. J'ai toujours fait n'importe quoi. Et la porte sera toujours ouverte pour toi parce que tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. Tu es unique à mes yeux. Tu es précieux pour moi. Comme la prunelle de mes yeux. Mais comment tu fais pour me pardonner? Je suis impardonnable, j'ai fait plein de bêtises, j'ai gaspillé ton argent. Oui, et puis les lentilles au citron aussi. Kevin, tu seras toujours mon fils, quoi qu'il arrive. C'est promis, je ferai la vaisselle, je ferai le ménage, je ferai tout, mais non, je t'écouterai. Je suis désolé. T'es sûr? Je croyais que j'étais un homme, mais en fait, je suis qu'un gamin irresponsable. J'ai tout perdu. Kevin, quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec moi. Oh, je t'aime, papa. Qui prend les radis? La musique, la musique. Ah, Jean-Luc, t'es là. Bon, ton frère, là, il est revenu. Quoi? Allez, je vais me voir comme un trou, et là, tu le laisses rentrer comme ça. Oh, calme, il s'est rien passé. Non, mais c'est... Non, non. Tu seras toujours unique à mes yeux, toi aussi. Et je te demande pardon si je n'ai pas été assez là pour toi. Mais il est temps maintenant de célébrer la revenue de ton fils. Mon frère, reviens. J'ai un truc à dire. Au nom de Jésus, je te demande pardon, mon frère. J'ai vraiment été un connard avec toi. Amen. Je t'ai jamais respecté, j'ai jamais écouté ce que tu m'as dit. Voilà. Je t'ai toujours traité comme un inconnu. Or que t'es mon grand frère, t'as toujours oublié sur moi. Amen. Et j'ai pris conscience de mes erreurs, voilà. Je suis parti, j'ai fait n'importe quoi. J'ai compris que j'étais rien sans ma famille. Vous êtes tout pour moi. En plus, depuis que maman elle est plus là, en fait, vous inquiétez beaucoup pour moi et je ne comprenais pas. J'étais égoïste, je regardais que mon nombril. Et vraiment, je te demande de me pardonner et viens, on recommence tout à zéro. Je t'aime, François. Oh, alléluia, 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 alléluia